Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Elden Ring. Dans la précédente vidéo, on avait exploré deux endroits. On avait exploré le village de Jarbourg et le château de. Le château de. Kaelid, il est où d'ailleurs ? Voilà, le château des Lions Rouges. Dans cette vidéo, j'aimerais faire ce que j'avais promis de faire il y a si longtemps, explorer cette zone centrale. Vu qu'il y a l'air pas mal d'avoir de choses, je me souviens plus ce que me raconte la vieillarde, mais ce qui m'intéresse, c'est l'arbre ici, la tour de. Je sais plus comment on appelle ça, tour d'Ordis. Tiens, je pense qu'il y a là d'ailleurs, je mets une marque. Tour d'Ordis. Et. J'ai l'impression qu'on pouvait descendre par là aussi, hein. En fait. À voir. Et je sais plus quoi d'autre. Bon, différentes ruines en tout cas. Et la galerie qui est là. Alors, je me souviens plus ce que raconte l'augure des doigts. Donc, je vais lui reparler. Elle est sur sa table. Les ruines d'or. Serpent sacrilège. Alors, le serpent sacrilège, à l'ouest. Alors, c'est probablement là. Pourquoi elle a dit le serpent, par contre, je sais pas. Et à l'est, je sais plus ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit à l'est? Les ruines d'or. D'accord, les ruines d'or, j'imagine qu'elle parle de la ville, du coup. Ok, et ce marchand, qu'est-ce qu'il me vend? J'ai oublié. C'est une cotte de maille avec un surcot bleu, pourquoi pas. Faut l'acheter. Ah. Alors les ombres des blottins, ça je sais quoi faire, mais par contre, ça, je sais pas. Et j'ai d'enchevêtré. Elle est jolie. Ah, j'ai pas vu. Pot de foudre. Je vais acheter ça aussi. Ouais, en plus, ils vendent des dagues pas chères. Je vais lui acheter. Je vais en acheter deux. Et des flèches. Il n'en reste pas tant que ça. Voilà. Bon, ça a fait quelques dépenses. On va voir ce surcot ce qu'il donne. Ouais, c'est une amélioration de la cote de maille en fait. Qui est une arme plutôt cool, hein. Qui est une armure plutôt cool. Ouais, c'est même assez classe en fait. J'aime bien. C'est pas mal. C'est un peu moins d'armure, mais plus de résistance, je pense. Un arbre dessus. Bon, bleu sur bleu, c'est pas top. Bleu sur rouge, c'est pas top. Bon, le noir, c'est joli. C'est moche. Bon, je vais rester sur ma capuche. Ouh, je peux prendre un casque un peu meilleur. Est-ce que ça c'est mieux du coup? Ça a l'air d'être mieux en tout. Bon, on va rester là-dessus. C'était peut-être pas avec la cape. Qu'est-ce que ça donnait? L'armure précédente.
pense qu'elle est mieux en tout. Ouais, c'est sûr. Bon, on va rester là-dessus. Les gars, je vous ai rien demandé, moi. Bon, je fais semblant de regarder ailleurs. Ah, des flèches dorées, cool. C'est un peu mon assistant de saut, le cheval. Ok, donc je suis proche de l'arbre. J'ai l'impression que c'est passé un truc pas cool ici. Oh là, ils sont dégueulasses. C'est des ennemis, hein. On leur a mis un drap, mais... Je peux pas attaquer étrangement. Ah, vous voyez le truc là-haut? Il a clairement l'air de vouloir me tomber dessus. Bon, c'est un truc qu'ils ont digéré. Encore ces trucs dégueulasses. Ils font super peur. J'entends un scarabée. Leurs attaques comme ça. Ah, il leur remise des trucs dessus. C'est horrible. On a dit, il doit faire de la... Oh là là! Il en va dans tous les sens. Ah, on a dit, il doit faire de la morte truc là. Bizarre ce rocher. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Toucher l'emblème. D'accord. Ouais, alors, au moment où j'ai vu le rocher et que j'ai tapé, je me suis dit tiens, ce serait drôle qu'il y ait un truc dans ce rocher. Ouais, il y avait effectivement un truc dans ce rocher. Et je me suis même dit le jeu serait trop bien fait s'il y avait une énigme comme ça. Je réponds à mes souhaits. Je pense que Elden Ring répond aux souhaits de pas mal de monde. Il y a un petit écureuil qui arrive à survivre ici. Ah, des papiers en essence. Où est l'arbre? Est-ce qu'il est devant moi? C'est l'endroit où il y a tous les trucs qui rigolaient. Là. Bon, je vais d'abord aller voir l'arbre. Ah oui, c'est la teuf là. C'est eux qui font ce boucan.
Est-ce que c'est les anciens gardiens de l'arbre qui sont devenus tout cassés parce que il s'est passé quelque chose? Ils ont l'air de faire un conseil en tout cas. Ouais, vous pouvez disparaître les gars. C'est bizarre, c'est un arbre où il n'y a rien. Au moins qu'il faut aller tuer ces quatre gars, quoi. Mais... Ah, il y a un gardien. Ah, il a l'air de vouloir m'attaquer. Bon, le gardien, il veut toujours m'attaquer, ça c'est normal. C'est le boulot. On peut faire ça. Bon, une fois, ils m'ont rien demandé. Ah, voilà, ils m'attaquent. Ouais, il faut bien le tuer. Oh, je suis tombé les armes avec eux. Il va faire un truc pas cool là. Oh, il brûle des arbres et tout. D'accord. Ouh. C'est juste. Oh là, ça fait mal. Oh, ça fait de la mort, le machin. J'allais trop dans la morte truc là. Ah ouais, d'accord, il y en a des plus petits et des plus gros quoi. Ah, je peux pas invoquer là. Oh, j'aime pas ça. Ouh là, je suis pris dans la figure. Oh, mal mort. Ouais, c'est ça la mal mort. Voilà, vous lisez. Elle est super mal là, mon archère. Je sais pas si elle fait des attaques sacrées, mais. Alors, j'essaie de récupérer mon XP. Oh, ça tombe bien, elle est là. Pas grand chose effectivement. Et ah, je crois que j'ai un sort contre la malmort la dernière fois que je l'utilise. Voilà, c'est clair. Bon, je crois que je vais l'attaquer hein, du coup. D'ailleurs je vais l'utiliser maintenant. Je vais le faire venir ici et je vais remettre mon archer là-bas comme j'ai fait la dernière fois. Voilà. Viens là, viens là.
Ah, on peut l'invoquer à cheval. J'ai mis derrière là. Quel idiot. Pas quoi. Il a l'air de se battre le pauvre hein, contre le truc qui le bouffe. Voilà. Ok, l'arme de creep. Cristal pourpre fendu et l'arme solidifiée tachetée. Elle est encore là, mon archer. Elle est cachée. Bon, au final, je l'ai pas mis juste devant l'arbre. Ah, il y a des tournesols dorés. Ils sont pas ternis. Ah mec, je t'ai aidé. Hein. Ouais, c'est super mal en fait. Vu que je l'ai amélioré. Hein. Vu que j'ai pris le bouclier. Ah, il y a un truc qui va mener à une grotte là-bas. Je vais d'abord... jeter un œil là. Voilà. Bon de guerre fracassant doré. Bon, je crois que je vais le tuer lui du coup. Ah, il y a mon archer qui attaque. Voilà, je suis pas bon en vrai. Pas prendre de risque avec ça, ça tue trop facilement. J'ai le mur. Oh là là. Je vais me faire tuer. En plus, ça enlève des vies. C'était chaud. Ouh. Heureusement que j'ai ce sort. Hein. Je suis sûr qu'elle me donne la mort. Ok, donc quel était l'intérêt de venir ici? Ah, il y a un homme puissant. Manuel de guerrier nomade. 19. Pierre calorifère, baie de sorbet caramélisé. Il va être content, mon cheval. Bon, et puis il y avait aussi le seau doré là que j'ai trouvé. Ok. Et donc j'avais vu un... voilà, ça. Ah, en fait c'est des ruines. Ruines des Sylvains. Donc c'est des anciens Sylvains qui ont été corrompus. Hein. Clairement. Donc s'il y a des ruines, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un... ça fait le sens. Ça veut dire qu'il doit y avoir un... comment on appelle ça? Oh, c'est trop beau là avec la lumière.
Une grotte. Ou un boss. Bon, c'est des sylvains corrompus. Hein. Maintenant, on sait de quoi il s'agit. Je sais pas si c'est bien de les tuer ou pas. Bon, moi, ils aiment pas ça. Hop là. Oula, j'ai pas eu ma balle mort là. Je suis super à l'arc. Hop là. Le pauvre, il m'éructe. Ce qu'il est fait souffrir. Bon, je vais faire la même chose avec lui. Hein. Ok. Viande blanche séchée vivifiante. Du coton doux. C'était juste du coton doux. Les pauvres. Je les entends tous crier là. Fléchette empoisonnée. Là, je suis dans les ruines, hein, clairement. Mais je trouve pas de passage ou de grotte. Je suis allé là. Ouais, il y a du brouillard. Je t'ai allé là? Non. J'entends un truc bizarre. Comme un serpent qui rampe.
Il est bloqué, j'ai l'impression. Il y a un bâton, lui. Voilà. Ah, je suis plus loin que je peux chancer. Ouf! J'ai pas vu elle. Ah là. En fait, il m'est craché dessus, ça a dû me... Pauvre Sylvain, en plus il a pas l'air si méchant que ça. Je pense qu'ils font la balle barre ou pas. On peut faire la même mort. Les crans, ils ont l'air de m'empêcher de rouler. C'est du granit. Qui est de l'icône. Qu'est-ce que c'est que ça donc? Donc une icône. Ah oui, c'est une icône. Pavois décoré d'une scène divine, la récolte d'une larme bénie de l'arbre monde. Souvenir chéri d'une ère d'abondance. La scène elle-même agit telle une incantation sacrée restaurant les points de vie du porteur. Donc c'est un objet classique des Souls, un bouclier qui restaure les vies. Bon, c'est un peu lourd, hein. 11. Il y en a encore. Ok, donc j'ai exploré d'autres ruines. Et il y a celle-là aussi. Et on en sait des ruines où j'étais déjà allé. Je sais pas si j'étais allé dans les petites ruines. J'aurais dû y aller vers ça. Je sais pas si on pourrait leur parler. Bon, ça a l'air d'être des ennemis. Je sais pas de quoi ils discutent dans leur langage. Finir d'explorer les ruines. Ouais, on a beaucoup là, on a l'air de se marrer. Bon,
J'imagine c'est là où il y a un trésor du coup. Ouais, c'est comme ça. Ouais, un noir. Non, je peux pas invoquer, non. Hop là. Oh là. Il cracherait loin. Bon, il reste plus qu'un. Pas de risque avec la même mort. Hein. Ok. Bon voilà, c'était le combo saignement. Hein. Et on va explorer. Peut-être juste un trésor là, j'ai quand même affronté pas mal d'ennemis. Bon, je me demande ce qui s'est passé dans cette forêt, mais en tout cas c'est pas cool. Hein. Qui aurait amené la malle mort à ces pauvres êtres courroux dorés? Émet une onde de choc dorée repoussant les ennemis. La canaliser permet d'accroître la portée de l'onde de choc. C'est cool. Ce n'est qu'après que le cercle d'Erden eut été brisé que cette incantation fut découverte. De ce fait, elle fut considérée et crainte comme un signe de la colère de l'arbre monde. Ah, d'accord. En tout cas, j'ai trouvé le trésor. Alors, il faudrait que je revienne à l'endroit où il y avait le chandelier. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, évidemment, il va passer au milieu des quatre gars. Allez, un sanglier. Une bête qui arrive à survivre dans ces bois.
Ouais, il nous amène loin, lui. Sûrement en plus. Ah, mais il m'amène à la grotte. Ouais, qu'elle est sur la carte, je l'aurais trouvée. Comme d'hab, on peut descendre sur le côté. Et ça va peut-être me ramener des trucs. Bon, ça n'a pas l'air. Galerie d'Altus. Je sais pas si j'ai suffisamment. Il me faudrait 12 000. Bon, il me faut même 17 000. Je pense que j'ai pas assez de runes. Ouais, non. J'en ai une 6. Ouais, non, pas du tout assez. Bon, ben, je reviendrai à la galerie d'Altus plus tard. Je vais finir de visiter la forêt d'abord. Quelque chose par là. Pas l'air d'être le cas. Alors, ces ruines, je les ai visitées. Ah, il fallait que j'aille à la tour d'Ordis. Ah non, je suis tout seul au milieu comme ça. C'est une hachette de gobelin. Un gobelin qui aurait perdu son... sa hachette dans le coin. Non, il y a beaucoup de hibou ici. Pourquoi un gobelin aurait perdu sa hachette? Oh, ah, j'ai senti un tremblement, c'est bizarre. Une illusion. Non, peut-être c'est une illusion. C'était dans ma main, peut-être que j'étais crispé. Je me demande si c'est vraiment un sanglier. Ouais. C'est un sanglier, désolé. Oh, il danse autour d'un scarabée.
Ah, vite. Ah. Ah, trop marrant. Ah, ok, le cheval il a disparu. Et du coup, je trouve plus le site de grâce. Est-ce que je peux le prendre? Ok, alors si je m'approche suffisamment et j'arrive à tirer deux flèches, ça aurait marché. Voilà. Ah, c'est une pierre de forge sombre. Pas très sympa de leur voler leur truc. Ok. Alors j'allais vers la tour d'ordi. Voilà, on a même des groupes quoi. Ah, est-ce qu'il y a d'autres pierres bizarres à taper? Ça m'étonnerait pas. J'ai trois emblèmes illusoires. Ah, il y a une carte. Deuxième. Bon, le premier, je l'ai déjà touché. Et le troisième. Ils sont sympas, ils ont mis une carte cette fois. Bon, le premier je l'ai touché du coup, et le troisième a priori il est à gauche de la tour dans un coin. Là. Tour illusoire. Bon, c'est pas très sympa mais je vais l'attaquer. C'est un lich de Mickey là. Faut que je vois si je trouve un autre truc illusoire. Oh, il est là. Sérieux, c'est un peu facile. Ah, c'est pas si facile. Ah, il y en a plusieurs. Je peux avoir autant que je veux. Voilà, c'est bon, tout le monde est. La tour est apparue, elle peut disparaître. Et alors, ça va être une autre hache de gobelin. Ah non, c'est le pyrrhine doré.
Ok, voici la tour d'Ordis. Tour illusoire. Aujourd'hui totalement vide. Moi, il est mort, le mage. Un œuf endormi, ou alors il était endormi. Lame indiscernable et forme indiscernable. Ah, ok. Ça me permet de devenir invisible. Bon, c'est des sortilèges intéressants, mais c'est des sortilèges, justement. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'aurais fait une bonne visite de cette forêt. Il y a peut-être une grotte dans le coin. Bon, je vais m'arrêter ici. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. C'est trop beau en plus. Et on ira voir si on peut aller là-bas la prochaine fois. Salut!